J'ai glissé, j'ai pas été capable d'arrêter. Je te jure qu'avec l'hiver, mon vieux, ça va nous prendre au moins une semaine pour se refaire les réflexes. Hein. Oh! Camarade! On a failli se frapper bras, hein? Je te jure, pendant une seconde, moi, là, j'ai fait certain que ça y était. Aide-moi dans tout. Hey, mais tu m'as pas entendu quand je t'ai klaxonné? Ben non, je t'ai pas entendu. Ma radio, je fais trop fort. Moi, tu sais, la radio, hein. Vous auriez dû nous rentrer dedans, dans ton stationnement, toi. Ah, on aurait eu l'air fin, vrai, ouais. Je comprends pour ça que j'ai juste de payer ce char-là. Oh, Seigneur. Oh, je suis mouillé, moi, tout ça. Tu as vu, t'es pas drôle de le coucher dans les oreilles. Ah, ma femme. As-tu vu ma femme, toi? Ah, non. OK, ouais. Voyons, Jeanne! Voyons, voyons donc, tu vois pas qu'elle est partie à la salle de restaurant tout seul? Oh, c'est belle! Oh, c'est là, tu vois. Veux-tu me dire d'où c'est que tu viens? Hey, vous avez failli vous frapper vrai, vous autres? Mais veux-tu me dire d'où c'est que tu viens? Comment, d'où je viens? Y'a-tu pensé, Jeanne, y'a-tu pensé de partir comme ça, puis laisser le restaurant sans surveillance? Y'a-tu pensé une minute? Voyons donc, arrête donc, t'en fais pour rien. J'ai juste été porté à l'arme de poche chez M. Tremblay qu'on avait emprunté. Tu vas, bon, lui? D'ailleurs, mais pour venir au stationnement, je te dis que vous avez failli faire un accident, vous autres? Je comprends. On était justement en train de se remettre de nos émotions en grenade. Mais qu'est-ce qu'il y a eu, donc? Vous n'êtes pas vu? On ne s'est pas vu pas en tout. Hey, moi, j'ai rien vu. Rien vu. Rien entendu, comme à la cour, hein? Hey, mon Dieu, ça y est, au début, je pensais que vous faisiez semblant de vous faire peur. J'ai bien vu que c'était pas ça. Hey, c'est quand je vous ai vu donner un coup de roue, c'est... Oh, j'ai dit, ça y est, pas un accident. Oh non, c'était pas pour s'amuser, hein? Je te jure, ma fille, je te jure qu'on a vraiment manqué de se rentrer dedans, mon grand. Ouais, as-tu mon Robert que t'as manqué ton coup? Comment ça, non? Ça va te faire une nouvelle de moi pour ton Robert. Oui, c'est vrai, ça aurait pu me faire une bonne nouvelle, ça. Surtout qu'on en manque de ce temps-ci. Ah oui? Hein? Eh bien, écoute donc, sais-tu, on va faire une affaire? On va l'embarquer dans nos chars, on va t'en faire une nouvelle s'il n'y a rien là. Tiens, pas grave dans le bout. Laisse ton frère, Conrad. J'ai trop besoin de mon char à ce temps-ci, moi, là. C'est bon, ce il faut que je cours après les nouvelles, hein? Donc, on va revenir de vos émotions, là. Mes petits cascadeurs chéris. Voulez-vous que je vous serve un bon petit café? Ouais, c'est une bonne idée, ça, mais moi, je vais prendre un verre de lait avec mes taupes au pain brun, comme d'habitude. Je peux bien avoir un beau petit teint rose. Ah. C'est vrai, t'aimes ça le pain brun. Oh, vite, qu'est-ce que tu veux? Je me dis qu'à tant qu'à manger du pain, je suis bien à manger du bon pour la santé. Hein? Ah ouais? Hey, savais-tu que le pain brun, là, ça contient plus de fibres, plus de minéraux, puis plus de vitamines que le pain blanc? Puis ça contient moins de calories que le pain blanc, mon ami. Oui, bonjour, toi. Ouais, monsieur, le pain brun contient moins de calories que le pain blanc, plus de vitamines, plus de fibres, puis plus de minéraux. Le pain blanc, ça vaut rien. Ah, oui? Moi, j'ai déjà entendu dire ça, Conrad. Et d'abord, Conrad, sais-tu d'où ça vient, ça, le pain blanc? Oui, ça vient du boulanger. Mais non, je te parle de l'origine du pain blanc. Alors, vous saviez ça? Les Égyptiens. Cette senteur-là, OK? Puis je suis tanné. Je suis tanné de respirer ça, puis je suis tanné que ça m'empêche de vendre ma maison. Il n'y a pas un acheteur qui veut l'acheter à cause de cette senteur-là. Es-tu sérieux, ça? Ben oui. Ça fait 6 mois, là. Ouais. Hein? Bon. Il est venu au moins 6 acheteurs. Ben, je te mens pas. Là-dessus, il y en a 5 qui sont rentrés chez moi en se pinçant le nez. Hein? J'aime ça, moi. Sûr que c'est dans ta maison que ça sent comme ça. Oh, Conrad, je ne trouve pas drôle. Arrête donc. Rachel a raison. C'est vrai qu'il y a des journées, ça sent mauvais, c'est épouvantable. Excuse-moi. Puis en plus, là, oubliez pas que nous autres, on est des habitués. Hein? On vit dans cette odeur-là à tous les jours, on vient qu'on la sent plus. Mais les étrangers qui arrivent dans le coin, là, c'est vrai que c'est la première chose qu'ils nous disent que ça sent mauvais. Hein? Ouais, c'est vrai ça. Ben Robert, regarde, ce matin, un autre acheteur, j'espérais, il rentre, il me regarde, la première chose qu'il me dit, coudonc, ça sent-tu toujours comme ça chez vous? Oui. Si tu veux, je suis obligée de lui dire oui, moi, oui, dans notre coin, ça sent toujours comme ça. Ben moi, je vais vous dire une affaire, hein. Ça devrait être la compagnie. Ouais, la compagnie qui devrait régler ce problème-là. Mmh. C'est la compagnie qui fait la punition. La pollution, c'est à elle à régler le problème. Ah! Oh! Ils devraient, ben, ils font rien. D'abord, mais votre comité de citoyens ne devait pas rencontrer les dirigeants de la compagnie, vous autres, à ce sujet-là? Oui, on leur a écrit, on les a rencontrés, puis ils n'ont rien fait. Mais la manifestation que vous avez organisée, ça n'a rien donné non plus? Pas plus, même ma pétition. Ben oui, c'est vrai, pour ça, tu nous as fait signer une pétition, il y avait vraiment ça n'a rien donné à la pétition non plus. Rien! C'est comme si on parlait à un mur de briques, pas de réaction. Ah, oh, attention, hein, les beaux sourires, les belles promesses, pas après, rien, ça bouge pas. Puis moi, pendant ce temps-là, je suis pognée. Je peux pas vendre ma maison, puis le mois prochain, OK, mon transfert à Québec. J'ai l'air faim, là, moi, là-dedans, je sais plus quoi faire, je ne sais plus. Rachel, ça, ces documents-là, là, la dette, la pétition... Ah! Je vis avec mon petit gars, tiens. Ouais, on va pas dans ça, pas ça. Soyez-vous dans une table, là, ça va être vraiment un peu plus de place pour moi. Après, je peux j'en débarrasser ça, là. Ben, tiens, regarde. C'est les lettres qu'on leur écrit. Oui, oui. Attends un peu.
L'affection. Je te mens pas, là, hein? Tout le monde a signé. Ça a rien donné. Hey, écoute, j'ai fait un petit café pour te remonter le moral, là. T'es pas mal nerveux, je trouve, à matin. T'as rendu que j'endors pas, ça. OK, je t'apporte. Rachel, ça te dérangerait-tu de venir prêter ces documents-là? Oh, ben non, mais... Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Deux choses. D'abord, tu vas faire un bon petit article dans mon journal là-dessus. Puis ensuite, je pense que je connais un moyen pour les faire bouger. Oui, on a donc un moyen pour les faire bouger. Rien de te dire qu'ils ont tout essayé. Non. Et d'après moi, il me semble qu'il y a un moyen là, pour faire bouger une compagnie. Oui. Il y a un moyen pour faire bouger une compagnie. Quel moyen? Ben, écoute, la semaine passée, là, ouais. J'ai écrit justement un article sur le recours collectif. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Oh ben! De quoi? Le recours collectif. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est drôle qu'il me parle de ça. Lui, regarde, justement, j'en ai fait venir, moi, un dépliant. En désespoir de cause. Ah, tu l'as, le dépliant sur le recours collectif? C'est avec ça que j'ai commencé mon article de journal. Mm-hmm. Sais-tu que t'es pas mal informé, Rachel? Oh ben, c'est ce que tu veux, hein? Ça fait 6 mois que je suis là-dedans. Puis, à part ça, ils m'auront pas. Oui, mais c'est quoi ça, cette affaire-là? Vous appelez ça comment, d'abord, là? Le recours collectif. C'est mon univers, ça, là. C'est une procédure permet d'entreprendre une action en justice au nom de plusieurs personnes qui ont le même problème. Veux-tu dire que Rachel pourrait entreprendre des procédures pour sa compagnie au nom de tous les citoyens du quartier? C'est en plein ça, mon grand. Oh, mais attention, toi, es-tu sûr que ça pourrait marcher, ça, un recours collectif? Je suis pas sûr à 100%, là, mais je vais m'informer, mais d'après moi, ça pourrait marcher. Il me semble que c'est un bon cas, ça. Bonjour tout le monde. Ah, tiens, vous là, vous allez bien, oui, encore une fois. Ah, tant mieux. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Pas mal, merci, vous-même. Vous connaissez tout le monde? Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Je vais dire comme Conrad, vous tombez bien. On voulait justement obtenir des informations sur le recours collectif. Ah, vous avez entendu notre conversation? Oui. Bon, ben, vous êtes au courant du problème de pollution dans notre quartier? Il faut circuler dans nos rues avec un pince-nez, puis il faut en mettre un aux acheteurs, sinon ça n'achète pas, ça me fait. Oui, j'ai bien senti le problème. Vous voulez avoir un pince-nez, vous aussi? Oui, non, je vous remercie, Conrad. C'est fou, j'ai déjà la grippe. Pas de problème. Mais pour revenir à notre problème de pollution, là, pensez-vous que ce serait possible de prendre un recours collectif contre la compagnie pour régler ce problème de pollution-là? Mais à première vue, je pense que effectivement, vous pourriez utiliser le recours collectif pour votre problème de pollution, oui. Et ça serait vraiment faisable. Y a-t-il des cas où ça a réussi, le recours collectif? Il me semble que c'est pas si facile que ça, intenter un recours collectif. Y en a-tu qui réussissent? Ah, ben oui, bien sûr, il y en a qui réussissent. Cette procédure-là a donné de très beaux résultats, même dans bien des cas. Juste à titre d'exemple, tiens, je peux vous citer le cas d'un groupe de voyageurs qui se rendaient en vacances au Mexique et qui ont réussi à obtenir un remboursement des dépenses et même des dommages en plus à cause du retard de leur avis de correspondance qui leur avait fait perdre une journée de vacances. Ah oui? Mm-hmm. Comme ça existe dans le cas des voyages. Là. Ah oui, mais il n'y a pas juste les voyages. Il y a aussi eu le cas des abonnés du câble qui ont obtenu le remboursement d'une partie des frais de leur abonnement mensuel à la suite d'une interruption de service de 3 jours. Ben, c'est bon pour le câble aussi. Oui. Le recours collectif a même fonctionné dans le cas des membres d'un club privé qui ont obtenu le remboursement de leurs frais d'adhésion à ce club-là à la suite de la fermeture du club. Et je peux aussi, juste histoire de vous informer un peu, vous dire qu'à 2 reprises, grâce au recours collectif toujours, des travailleurs ont obtenu de leurs employeurs le remboursement des salaires et des indemnités de vacances non payées suite à la fermeture des usines. Eh ben... Ben, je ne savais pas que ça pouvait s'appliquer dans autant de situations que ça. Le recours collectif, comme vous dites. Mais dans tous les cas que vous venez de mentionner, là, c'est toujours pour réclamer des montants d'argent. Ouais. Dans le cas de Rachel et de son comité de citoyens, ils veulent arrêter la pollution. C'est pas tout à fait pareil, ça. Ouais. Ben, vous avez raison, mais ça change fondamentalement rien, voyez-vous. C'est que le recours collectif n'est pas uniquement utile pour réclamer des montants d'argent et des dommages. Il peut aussi être intenté pour faire quelque chose. Ou encore pour faire cesser quelque chose, comme dans le cas qui nous intéresse, là. Faire cesser la pollution, ou du moins faire en sorte que les normes établies par le ministère de l'Environnement soient respectées. Alors, dans ce cas-ci, ça pourrait être un recours collectif en injonction contre la compagnie pour la forcer à prendre les mesures nécessaires à l'arrêt de la pollution. Ah, ben, j'aurais jamais pensé qu'il y avait un moyen légal pour arrêter la pollution. Ah, ben, comme vous voyez, ça existe. Vous pensez à quelque chose? Quoi? Pour moi, là, ça, c'est trop beau pour être vrai. Comment ça, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, recours collectif. Comment est-ce qu'on finance ça?
Combien ça coûte? Le prix de vente de ma maison, je veux-tu le manger là, pour payer mes frais d'avocat? Se battre contre une grosse compagnie, c'est pas facile. Mais vous avez tout à fait raison, mais rassurez-vous, en ce qui concerne le financement, le dépliant que vous avez justement entre les mains l'indique bien. Il y a ce qu'on appelle un fonds d'aide au recours collectif. Le fonds d'aide est un organisme qui a pour fonction, son nom le dit bien d'ailleurs, d'aider financièrement les personnes qui désirent intenter un recours collectif. Alors, ce fonds d'aide est là justement pour essayer de faire en sorte que la personne ou les personnes qui décident d'intenter le recours puissent le faire sans engager leur argent personnel et puissent surtout le continuer sans être découragées par l'aspect monétaire. Alors, on ne veut pas que la personne se ruine en entreprenant une telle procédure. Et c'est pour ça. Mac a plus rien que ça, franchement. Ah ben oui, absolument. Et ça peut être long, ces procédures-là. Et c'est pour cette raison-là que si le fonds d'aide accepte votre demande, le fonds pourra, entre autres, payer les honoraires de votre avocat, les frais d'expertise, les avis dans les journaux, les frais de cour et toutes les autres dépenses nécessaires à l'exercice de votre recours. Le fonds d'aide pourrait payer tout ça? Ben oui. Mais est-ce que c'est Rachel elle-même qui doit prendre les devants là-dedans, ou si ce serait pas mieux que ce soit son comité de citoyens qui prenne l'initiative? Mais les deux peuvent prendre les devants, comme vous dites. Rachel peut de son côté intenter cette procédure-là elle-même, ou encore le comité de citoyens pourrait procéder aussi, parce que la loi prévoit que toute corporation sans but lucratif, toute association syndicale ou encore coopérative peut prendre un recours collectif au nom des personnes dont elle défend les intérêts. Ah, oh, ben, je vais-tu parler de ça à mon comité de citoyens, moi? Il y en a qui vont s'ouvrir les yeux puis les oreilles. Hey, c'est quand ta prochaine réunion de ton comité de citoyens? C'est bonsoir. Bon, ben, je vais être là. Moi, je sens que ça va me faire tout un article pour mon journal. Hey, je peux-tu garder ces documents-là? Et tu me promets que tu me remets ça avant la réunion? Pas de problème, on va te faire des photocopies. Rachel? Le petit papier que tu avais dans les mains tout à l'heure, là? Oui. Ah, ouais, où c'est que tu as pris ça, ce petit papier-là? À la Caisse populaire, mon vieux. Ah oui, à la Caisse populaire, ils ont ça, ces types de recherches. Oui, oui. Si vous permettez, vous pouvez aussi l'obtenir en vous adressant au fonds d'aide au recours collectif directement, hein, ou encore dans les bureaux d'aide juridique de votre quartier. Excusez-moi, avez-vous l'adresse que je réinscrive dans mon article de journal? Là? Oui, bien sûr, oui. Jeanne, j'ai pas de crayon. Ah, ben, regardons, c'est un journaliste, pas de crayon, hein? On l'aura tout vu. Un petit peu. Ah, c'est un ici. Merci, Mathilde. Bon, allez-y donc, là. D'accord. Fonds d'aide au recours collectif. Fonds d'aide... Palais de justice. Trop vite. Palais de justice. 1 Est rue Notre-Dame. Notre-Dame, bureau 7.91. Montréal. Le code postal H2Y1B6. Vous pouvez aussi leur téléphoner, hein, si vous voulez. Ah, oui, oui. À Montréal, c'est 873-4904. Et si vous appelez de l'extérieur, vous pouvez faire virer les frais. Alors, vous faites l'indicatif régional, 514, et le numéro que je viens de vous donner, 873-4904. 904, bon, ben, je pense que j'ai compris. Tu prends ça comme il faut, là, répète-nous ça, là. C'est important, ça. Pas confiance en moi. 514-873-4904, c'est ça? C'est ça. Ben, merci beaucoup, là. Ça fait plaisir. Ouais. Ben, moi, je pense que... Bon, allez m'en chercher un petit papier comme ça, moi. Laisse donc faire mon corral, tiens. Prends celui-là. Ah, ben, je te remercie bien, t'es bien fine. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça, donc, toi, corral? Ouais, je vais me renseigner, mon pays. Je vais me documenter parce qu'il se peut que j'intente un recours collectif contre le fabricant de pain blanc. Ah, non? Fabricant de pain blanc? Absolument, fabricant de pain blanc. Parce qu'après ce qu'il nous a dit, là, sur le pain blanc, là, hein, eh bien, moi, je vais forcer le fabricant de pain blanc à mettre un peu plus de vitamines et un peu moins de calories dans son pain blanc. Ça, c'est clair. Ouais, ben, tu risques d'avoir bien du pain sur la planche, hein, puis te retrouver dans le pétrin avec ça, mon Conrad. Ouais, parce que tu sauras que les boulangers ont la croûte dure, mon Conrad. Hey, je ne passe, savez-vous, c'est quoi le slogan des boulangers? Tu vas nous dire ça, je sens ça, là. Over my bread, buddy. Bonjour. Eh bien, histoire de compléter l'information véhiculée par la dramatisation qu'on a vue, nous avons invité Maître Yvan Gagnon, administrateur du fonds d'aide au recours collectif. Maître Gagnon, bonjour. Bonjour. Eh bien, on peut peut-être revenir à la situation qu'on a vue tout à l'heure. C'est une femme, une citoyenne qui s'aperçoit qu'il y a un problème de pollution, de la difficulté à vendre sa maison, mais se rend compte que le problème de pollution peut aussi couvrir tous les gens du secteur. Oui. Et est-ce qu'il est mieux d'agir seul ou de...
Bien, prendre un avocat ou un comité de citoyens. Voici, c'est que la loi prévoit qu'il faut avoir un avocat dans cette matière, mais ce que les gens oublient trop, malheureusement, c'est d'utiliser le fonds d'aide au recours collectif comme structure d'accueil pour le départ, pour de l'information à obtenir en vue de s'engager dans des procédures en recours collectif. Le fonds d'aide n'est pas là uniquement pour prêter des argents ou avancer des argents ou financer des recours, mais a une équipe de permanents qui peuvent fournir de l'information à tout citoyen qui est intéressé à entreprendre un recours collectif. Et ça, il faut y penser. Oui, parce que les gens ont l'impression plutôt que le recours, le fonds d'aide, c'est quand tout est décidé tout est et prêt. Que tout est prêt. C'est pas alors que les personnes peuvent se rendre au fonds d'aide et dire « Je fais quoi maintenant? J'ai tel problème. Je suis dans telle situation. On est un groupe. Il y a beaucoup de personnes impliquées. On fait quoi? Guidez-nous dans notre démarche. » Et le recours, le fonds d'aide est là pour le faire. Comment on identifie ça, un recours collectif, la base d'un recours collectif? Bien, par sa définition, collectif, alors ça suppose un problème où plusieurs personnes sont impliquées dans la même situation ou enfin dans une situation similaire ou connexe, comme dit la loi, des faits similaires ou connexes. Or, on sait que la première question qu'il faut peut-être se poser, c'est est-ce que d'autres personnes comme moi sont dans le même problème, ont la même situation à vivre? Exemple, dans le sketch qu'on vient de voir, c'est un problème de pollution. Bien, c'est bien certain que pas seulement qu'une personne qui est touchée, est obligée d'endurer les odeurs épouvantables de ces usines-là. Alors, nécessairement, ce genre de recours implique beaucoup de personnes. Alors, tout de suite, on pense recours collectif. Bon, et si on revient à la dramatisation, cette dame-là intente son recours collectif, supposons qu'elle est rendue là. Est-ce que tout le monde est touché par ça? Comment est-ce qu'on peut dire, tous les citoyens sont touchés ou ceux qui ne veulent pas être touchés, est-ce qu'ils doivent aviser ou comment est-ce qu'on procède? Oui, en vertu de la loi, toutes les personnes, à partir de la minute où le recours collectif est intenté, à moins de s'en exclure, on en fait partie. Alors, il faut s'en exclure, nécessairement. Sinon, on est dedans. Et on est dedans pour le meilleur ou pour le pire? Parce que les frais, Non, on est dedans pour le meilleur parce que le fait d'être membre automatiquement n'entraîne aucun engagement pour la personne qui demeure dans une ville. Par exemple, si on prend encore le cas de la pollution, elle n'a à s'occuper de rien. Et si le recours est efficace, aboutit avec un jugement qui condamne, bien, elle va en bénéficier nécessairement comme tout le monde parce que la compagnie peut être condamnée à prendre les moyens pour cesser ou diminuer la pollution. Et il n'y a aucun engagement de la part de cette personne-là. Bon. Est-ce qu'il y a des chances de succès? On a entendu parler au début là, du recours collectif que ça traînait et que ça ne réussissait pas toujours. Ça ne traîne pas plus que n'importe quelle autre cause. Si vous vous rappelez, Maître Allard, les bonnes vieilles causes d'accidents d'automobile, c'était long, n'est-ce pas? Et ça a peut-être été un facteur pour établir le système qu'on connaît présentement. Le recours collectif n'est pas plus long qu'autre chose, à mon avis, sauf que ça n'a pas démarré de façon extraordinaire. Peut-être parce que c'est venu après plusieurs lois à caractère social déjà existantes, comme des petites créances, l'aide juridique, les régies, etc. Mais il y a plusieurs recours qui ont abouti actuellement. On a vu tout récemment les employés de Paquette Syndicat à Québec qui ont réglé pour 65 000 $ hors cours une réclamation de salaire suite à la fermeture de ces magasins-là. C'est intéressant. On a eu les patients de l'hôpital Saint-Charles-Borromée qui ont eu 140 000 $ suite à une grève illégale, l'affaire Télécable, etc. Alors, ça réussit dans certains cas. Ça réussit, il faut être patient. Alors, j'inviterai les téléspectateurs en terminant qui veulent obtenir de l'information sur le recours collectif. Vous allez retrouver dans le dépliant tout ce qu'on a mentionné dans la dramatisation, également dans l'entrevue. Et vous allez également retrouver l'adresse du fonds d'aide au recours collectif, ce qui sera très utile de toute façon pour entreprendre des démarches ou pour obtenir plus d'informations. Alors, si vous vous donnez la peine de nous écrire à Aide juridique, case postale 123, Complexe des Jardins, Montréal, Aide juridique, case postale 123, Complexe des Jardins, Montréal, nous pourrons parvenir sur des clients gratuitement par retour du courrier. Merci beaucoup, Maître Gagnon. À la semaine prochaine, tout le monde.
voyez dans un moment l'émission La Route olympique.